Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le sujet dont je souhaitais parler aujourd'hui est diagnostic de performance énergétique. L'article L134-1 du Code de la construction et de l'habitation définit le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment comme un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée, exprimé en énergie primaire et finale pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment, ainsi qu'une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer la performance énergétique du dit bâtiment. Ce document est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. L'article L134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de vente ou de location, le classement énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment est mentionné sur l'annonce. Ce diagnostic est communiqué au candidat acquéreur ou au locataire. Cependant, ce diagnostic n'a qu'une valeur informatif de sorte que l'acquéreur ou le locataire ne peut pas l'opposer de manière contraignante à son vendeur ou bailleur. En revanche, la responsabilité quasi-délictuelle du diagnostiqueur peut être recherchée au visa de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382, c'est-à-dire sur le fondement de la faute. Et si une faute est retenue à l'encontre du diagnostiqueur, il sera condamné, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2019, non pas à l'indemnisation du coût des travaux d'isolation, mais à l'indemnisation de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente. La loi Elan, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, du 23 novembre 2018, va modifier la valeur du DPE pour le rendre désormais opposable. Cependant, l'entrée en vigueur de ce texte qui devait intervenir ces jours-ci a été repoussée du fait des perturbations liées au Covid-19 et le caractère contraignant du DPE devrait entrer en vigueur en fonction d'un décret et en tout cas au plus tard le 1er juillet 2021. Et la loi du 8 novembre 2019 prévoit que pour un logement dont la consommation énergétique primaire est supérieure ou égale à 331 kWh par mètre carré et par an, le diagnostic devra être accompagné d'un audit énergétique qui mentionne des propositions de travaux ainsi que l'impact théorique de ces travaux sur la consommation énergétique. Vous l'aurez compris, il s'agit véritablement d'inciter les bailleurs et les vendeurs à réaliser des travaux permettant de générer des économies d'énergie. Pour toute question liée au DPE ou pour toute question liée à l'immobilier en général, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 34 ou sur mon site internet frd-avocat.com. Je vous remercie de votre attention.